Toutes les pépites à côté desquelles il faut surtout pas passer en cette fin du mois d'octobre, je vous dis tout tout de suite. Cette vidéo là, comme j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo où je vous faisais découvrir tout le catalogue avec les nouveautés, les bons plans, etc., je me suis dit je vais vous faire une vidéo là en fin de mois avec vraiment les produits à côté desquels il faut pas passer. Attention, ces offres vont être limitées dans le temps. Pourquoi? Bah tout simplement, comme je viens de le dire, c'est sur le catalogue d'octobre. Donc moi je valide la toute dernière commande avec les paiements le 27 au plus tard, vraiment, mais au taquet de chez taquet. Si vous souhaitez eh bien, avoir un des produits que je vais vous montrer là, ou si en feuilletant le catalogue, le lien est juste en barre d'infos, eh bien vous avez trouvé votre bonheur. On se MP, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok ou par mail. Bon, en gros, je stoppe le topo là. Faut se dépêcher parce que ce sont des offres qui déglinguent et elles sont eh bien, que pour quelques jours encore. Donc on y va, on fonce. Alors le catalogue est gorgé de promos, de bons plans, etc. Mais je vais vraiment vous parler de produits coup de cœur ou des nouveautés, des découvertes ou des indispensables. Et le premier, c'est celui que je porte là. Non, je ne me suis absolument pas maquillée, je n'ai fait que les lèvres avec ce produit. C'est une nouveauté, c'est un rouge à lèvres, crayon à lèvres, 2 en 1. Une application vraiment faite pour les débutantes. Donc rassurez-vous, même si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, vous allez y arriver, une tenue de 10 heures, oui, rien que ça. Des coloris, je pense qu'on le voit là, des coloris quand même assez nude. Des coloris un peu plus prononcés comme celui que j'ai. Et eh bien le prix, parce que oui, moi dans mes vidéos, je parle de prix, je n'ai aucun souci avec ça. Ils sont à 12,99€. Donc vraiment un produit au top. Et celui que j'ai mis sur les lèvres, c'est la nuance Main Character Mauve. Donc c'est assez compliqué pour moi de définir ce produit parce que c'est pas réellement pour moi un rouge à lèvres étant donné que les rouges à lèvres ne sont pas sur ce packaging là. C'est pas réellement un crayon puisqu'on l'utilise sur toutes les lèvres. Bref, vous aurez compris. Donc le packaging est très joli. C'est dans la gamme Power Stay. Petit rappel, la gamme Power Stay c'est ultra longue durée. Ça ne dessèche pas la peau ou les lèvres selon les produits. Et voilà comment ça se présente. Donc la couleur, vu que je l'ai déjà fait sur les lèvres, je vais vous faire le swatch ici. Un passage. Voilà. C'est vraiment hyper joli, rien qu'un passage, la pigmentation est juste oufissime. Une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Je l'ai testé à plusieurs reprises en ne faisant pas du tout attention à ce que je mangeais, comment je mangeais, etc. Il n'y a pas réellement de transfert, même s'il n'y a pas le label sans transfert. Et il tient réellement ses promesses avec les 10 heures de tenue. Donc allez-y, foncez. Très compliqué pour moi de vous sélectionner des produits parce qu'il y a tellement de choses dont j'aimerais vous parler, mais il faut bien faire un choix malheureusement. Et le choix suivant est sur de la déco. Alors moi je suis une fan de tout ce qui est Mikado, vous savez, les petits diffuseurs de bougies, etc. Et encore plus à cette période-là. Mais je vous avoue que je suis toujours déçue par les bougies d'une grande enseigne que j'adore à petit prix. Parce que bah, soit les bougies brûlent en fait de façon absolument pas homogène, il en reste toujours, ou alors le temps eh bien n'est pas respecté, et donc du coup quelque part forcément on ne peut pas être satisfait du produit, à part peut-être le tout petit prix. Du coup ça fait quelque temps que je ne prends plus que les produits chez Avon, et jouez bonheur. Avon a sorti ce mois-ci une nouvelle gamme. Donc pour l'automne qui est là, alors petit rappel, le catalogue quand vous le recevez, vous avez des petits ronds comme ça, sont des pastilles parfumées, il suffit de passer son doigt dessus et on peut tester le produit. Et là je dois dire que la gamme est juste magnifique, assez masculine, assez végétale. Et cette fois-ci j'ai fait un choix et j'ai choisi de prendre la bougie. Donc déjà le packaging magnifique avec cette voie lactée là, c'est les boîtes j'ai du mal à les jeter.
Honnêtement, j'ai vraiment du mal à les jeter. Alors on pourrait croire que ça va être senteur sapin et tout ça, pas du tout, puisque c'est patchouli et épices et ça sent super bon. C'est assez quand même masculin, mais ça passe très bien. Voilà la bougie. Donc elle est, c'est du vert, hein, bien entendu, avec un effet mat sur le dessous et ça se diffuse de façon homogène. Voilà, il n'y a pas une partie qui est brûlée puis l'autre partie qui reste là. Bon là je viens juste de la, enfin juste de la démarrer, ça fait déjà 5 heures je crois, 4-5 heures que je la laisse brûler et ça a une durée de 27 heures. Eh ouais. Du coup le prix, vous allez me dire ouais, 27 heures, on est sur 30 euros, ce qui est à peu près la moyenne. Eh ben non, parce que la bougie, elle est à 13,49€. Donc vraiment allez-y foncez. J'adore cette odeur. 13,49€ pour 27 heures, franchement, topissime, avec des packaging qui sont vraiment très 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 jolis. Vous avez aussi du coup le diffuseur avec les Mikado, mais qui sont juste magnifiques, qui lui est à 21,99€ pour 8 semaines de diffusion. Voilà, qui dit mieux. Là, on arrive au moment de la vidéo où... Est-ce que j'ai encore besoin de parler de cette gamme? Honnêtement, non mais au bout d'un moment, va falloir que j'arrête d'en parler, de vous faire la promo parce que je vous ai tellement, tellement saoulé avec cette gamme-là. Mais celles d'entre vous qui se sont laissées tenter ont surkiffé. Mes clientes adorent cette gamme-là, donc quelque part, ben non, je vais continuer à en parler. Je vous parle de la Milk Collection. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une gamme de 3 produits, de 3 crèmes de douche aux senteurs assez sympas qui vont vous permettre d'avoir une hydratation plus. L'hydratation est juste interstellaire, hein, qu'on se le dise, puisque vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je suis obligée de me crémer le corps après la douche parce que j'ai la peau excessivement sèche, même si ça va mieux avec les produits avant, bah là, pas besoin avec la Milk Collection. Donc pour vous dire à quel point c'est méga ultra hydratant. En plus de ça, eh bien la texture est vachement agréable, elle mousse vraiment très bien, elle est très onctueuse sur la peau, ça laisse un fini ultra hydratant sur la peau, mais non gras, et ça on aime bien aussi. Et gros plus, dans la gamme, vous avez une senteur qui est spécifique aux peaux ultra méga sensibles, et je vous la présente de suite. Donc autant vous dire que ces produits-là sont en format 500 ml, donc vous avez de quoi. Parce que là, pareil, on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup, étant donné que ça mousse bien, ça s'émulsionne très très bien et ça fait son job sans en mettre des tonnes. Donc ça, c'est plutôt sympa côté économie. Mais vous avez en plus, et c'est pour ça que je vous en parle là, une méga offre dessus. En plus de la page parfumée dans le catalogue, vous avez la possibilité d'en prendre un à 3,49€ ou deux, que ce soit les deux mêmes ou deux différents, pour 5,98€. Donc autant... foncez et puis profitez de l'offre. Je vous ai parlé il y a quelques secondes du coup de la crème de douche pour peau super sensible. C'est la bleue. Donc est-ce que on a besoin vraiment de dire que c'est onctueux? Je pense qu'on le voit vraiment. C'est méga agréable. Donc pour peau sensible, c'est au lait d'avoine et à l'extrait de bleuet. On n'a plus besoin de redonner les bienfaits du lait d'avoine. Les dermatologues le proposent très souvent. Donc vraiment ça, ça fonctionne très bien. Et les peaux sont apaisées de suite. On n'a pas besoin d'attendre 10, 15, 20 minutes dans la douche. On est de suite apaisé. Donc ça, c'est vraiment top. Y compris pour l'eczéma. Puisque moi, je l'utilise quand j'ai encore mes crises d'eczéma. Topissime. Et il y a 3 parfums. Donc forcément, je vais vous présenter les 3 et... Celui que j'utilise actuellement, bon, je pense qu'on voit que je l'apprécie, c'est le rose au lait de coco et framboise. J'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre, j'avais très peur que ce soit un peu écœurant, parce que la coco peut très vite, voilà. Et ben non, pas du tout, c'est méga subtil, et vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Troisième et dernier parfum, et non des moindres, puisque c'est celui que j'ai utilisé les 2 derniers hivers, quasiment non-stop, hein, c'est celui-là, c'est au chocolat chaud. Alors comment vous dire que déjà l'odeur, voilà, pas écœurant, méga hydratant comme les 2 autres, ultra moussant. On arrive déjà, ou enfin, je ne sais pas, à la fin de cette vidéo avec les 2 derniers produits. Donc là, je vais pas vous détailler les produits, c'était juste pour vous rappeler une petite chose, en fait, un nouveau packaging. Vous le savez très certainement, chez Avon, on a gardé la gamme Faraway, donc les parfums. Ce fameux parfum mythique qui est là depuis des années, des années, des années, des années, des années, et des années, et des années, et des années, et des années.
avec le même packaging, donc ces bouteilles-là avec, voilà, le petit froufrou. Et la gamme s'est développée, puisque là, c'est le Faraway Beyond, mais vous en avez plein d'autres. Et en fait, là où je voulais attirer votre attention, c'est que ces bouteilles-là sont devenues vintage, tout simplement parce que Avon a relooké les bouteilles. Voilà. Moi, je les trouve juste canon. Elles sont canonissimes. Alors, vous avez le nouveau, le Faraway Shine, que j'ai vraiment surkiffé. Là, vous vous dites, pourquoi je la vois comme ça? Eh ben, c'est très simple. J'ai eu un énorme scratch au niveau de mon rush vidéo impossible. Ça fait plus d'une heure que j'essaye par tous les moyens m'envoyer le reste de ma vidéo. Et ben non, voilà, ça n'a pas voulu. Du coup, ça veut pas, ça veut pas, c'est pas grave. On fait de telle sorte de pallier à ça. Et du coup, bien, je vous retrouve ben, là, en fait, pour finir de vous parler de ces petite merveille. Donc, comme je vous disais, les bouteilles ont changé. Donc, elles sont juste magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont vraiment sublissimes. Et le gros plus, c'est que du coup, elles sont empilables. Voilà. Je vais vous mettre une vidéo, non, une photo là, voilà, où vous allez voir du coup que c'est super joli, en fait, même de tous les empiler. Donc rien que pour ça, et ben, je vais me reconstituer la collection. C'est ultra design. Je trouve que même limite, en fait, dans son salon, ça peut faire super joli, avec une petite lumière derrière qui va diffuser à travers les bouteilles. Je trouve ça juste magnifique. Donc sur ces produits-là, je vous prépare une méga, méga, giga offre en novembre. Donc restez connectés, parce que là, ça va arriver. Avant, vous prépare juste un truc waouh dessus. Mais moi, je suis sympa. Donc, je vous prépare encore quelque chose. Oui, c'est normal que vous voyez des choses bizarres dans les bouchons de mes... Voilà, parce que bah, je suis obligée de mettre un fond pour éviter de faire mal à la rétine, comme ça, quand vous me regardez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré les petits soucis techniques. Je vous avoue que je ne pensais pas que cette vidéo allait être aussi galère à filmer et à monter. Surtout, ça a été catastrophique à croire que le destin ne voulait pas que je la sorte, cette vidéo. Mais en tout cas, ce sera chose faite. Donc là, maintenant, il faut se dépêcher pour me contacter, pour aller voir du coup le catalogue. Le lien, je rappelle, est juste en bas. En barre d'infos, pour que vous puissiez bénéficier encore de toutes ces méga offres. Et encore, je vous ai donné une infime partie de tout ce qu'il y a, parce qu'on a là en plus sur octobre plus novembre plus de 280 pages d'offres. Voilà, donc impossible de tout vous montrer en vidéo, il faut vraiment que je cible. Donc je vous attends, j'espère que vous aimerez ce type de vidéo. Dites-moi vraiment si ça peut vous plaire, je vous en ferai beaucoup plus. J'ai vraiment beaucoup d'envie au niveau des vidéos, et surtout envie de vous faire des vidéos comme j'en faisais à l'époque. Voilà, est-ce que ça peut vous intéresser? J'ai hâte vraiment de vous lire en commentaire. Je vous fais plein de bisous, et comme toujours, mettez des paillettes dans votre vie, que vous soyez une badass ou pas. Moi, en l'occurrence, bah, la badass à paillettes, elle va continuer à en mettre partout.